Celui qu'on appelle les bières blancs et qu'on voyait dans le reportage. Blanc, le Syrien, là, qui ne veut pas répondre, on suit un petit peu le cheminement de Mera. Et on explique aussi comment on arrive en Afghanistan et comment on arrive au Pakistan. Ce qui est redoutablement difficile. Est-ce que vous répondez à la question des filières, par exemple, sur lequel oui, alors lui, il n'est pas dans une filière, justement. Lui, il y va par ses propres moyens. Imaginez bien que ce garçon, a sur son passeport un visa israélien. On n'entre pas en Israël comme ça. Lui, il arrive à avoir un visa israélien. Quand il va en Afghanistan, il est passé par la Turquie, par la Syrie, par l'Israël. Enfin, il a fait, dans le temps lointain, tous ces gens qui faisaient la route pour aller en Inde et bah, ils traversaient les pays. Bah, là, c'est lui, c'est pareil. Pardonnez-moi, faut deux passeports pour réussir ce tour de force. Oui. Parce que c'est pas possible, vous ne rentrerez pas avec un tambour israélien. Il est un peu plus organisé qu'on peut s'en dire. Mais il a quand même un tampon, paraît-il, moi je l'ai pas vu, hein, mais il paraît qu'il a un tampon israélien. Ouais.